Salut tout le monde, c'est Corentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart 8 Deluxe. J'espère que vous allez bien. France s'est arrêtée après avoir fait la coupe banane et on s'est fait on s'en est bien sorti, mais on s'est fait avoir à la fin quoi. Voilà, tout simplement, on s'est fait déchirer la gorge. Alors attends, on va remettre le bon roue et on va surtout changer de voiture. Alors du coup, je sais plus si je l'avais fait avec vous, mais la voiture que j'avais débloquée, c'était celle-là. Voilà, et celle-là elle est beaucoup mieux, enfin beaucoup mieux. Les statistiques me plaisent mieux, il y a une meilleure maniabilité et je crois qu'elle va juste un petit peu moins vite. Mais voilà. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la coupe feuille, j'ai encore enchaîné avec l'autre épisode, d'ailleurs c'est la dernière vidéo que j'enchaîne pour ce soir. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, il restera 3 coupes à faire et je pense que la prochaine fois que je tournerai, je ferai les 3 d'un coup, je sais pas, encore. Mais pour ce soir, je resterai sur celle-là en dernière. Alors vous allez voir que techniquement, elle va mieux tourner. Alors je sais pas si on va beaucoup le sentir parce que c'était pas de beaucoup. Mais normalement, elle va mieux tourner. Alors déjà, si je tourne comme ça, on va pas s'en sortir. Par contre, je crois qu'elle va moins vite, mais qu'elle accélère plus vite. Genre, elle a moins de vitesse, mais elle accélère vite. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Ah, je voulais pas faire de figure sur la dernière, je voulais juste faire un petit dérapage. Alors, je sens beaucoup la différence. En maniabilité, mais c'est pas la maniabilité que j'espérais en fait. Genre je sens que c'est pas pareil, c'est tout, mais j'aurais préféré que ça tourne mieux en fait. Parce que là j'ai juste l'impression que ça dérape plus. Par contre dans la boue c'est pas ouf. Hop, je sais pas. Je sais pas si... De toute façon on va faire le grand prix avec cette voiture là, mais je sais pas si je vais pas regarder... Ah putain, j'ai fait la merde. Je vais pas garder mon ancien véhicule qui me plaisait, qui était plutôt simple. À gérer, là j'ai vraiment du mal. Bon, c'est peut-être le temps d'adaptation, mais je vous avoue que je le sens pas trop ce véhicule. Statistiquement, ça me paraissait mieux. Comme on dirait sur le papier, c'était mieux. Mais j'ai un peu du mal à gérer le truc. Ah oui, d'accord, ok. J'ai un peu du mal à gérer. Alors, par contre, ouais, je vais jeter tout ça parce que ça me sert à rien. Alors là, c'est abusé parce que j'étais au-dessus. Hein. Vous êtes témoin, j'étais au-dessus. Je vais jeter tout ça pour espérer avoir un item un peu plus correct. Ouais, bah ouais, c'est pas ce que j'espérais. je suis nul. C'est la vé... Voilà, j'ai une excuse, c'est le véhicule qui fait ça. C'est pour ça que j'y arrive moins bien là. J'ai... Mais non, mais mec. Mec. Putain. Pourquoi vous envoyez des objets à l'envers? Alors que vous êtes pas premier. Ah. Alors retourne pas sur le poteau, ça serait cool. Hop, file-moi un double item, s'il te plaît. Un bon item. Ah merde, j'ai utilisé le champi quand j'aurais pas dû. Ah, je vais me la prendre. Non, c'est bon. Bon. Je suis pas trop fan du véhicule. Voilà, je vous le dis. Alors je sais pas si c'est le temps d'adaptation, mais j'aime pas. Alors je dis pas que c'est à cause de ça que j'ai perdu, hein, mais... En partie. j'ai un peu de mal. Alors on verra. On verra pour la prochaine fois. Mais ce véhicule-là, je... Ils disent qu'il est plus maniable, mais j'ai pas l'impression. Il tourne peut-être mieux, mais j'aime pas. Il tourne pas pareil. Ou peut-être parce que c'était dans... J'étais un peu dans la boue, je sais pas. Non, toi, tu as dégagé avec ta banane. Voilà, je t'ai senti venir. Mais tu peux rien faire contre le moi. Aïe. Oh mais ça tourne vite fait hein. Je sais pas. Je suis pas convaincu. Oh putain. Alors là on peut tomber hein. Ah voilà. Exemple typique de quelqu'un qui tombe. Alors je crois qu'on est plus lent dans l'eau, donc c'est pas forcément très rentable. Je savais pas où fallait aller. Mais on peut tomber hein, même au début je crois. Genre ici il me semble qu'on peut tomber hein. Ouais, ouais, je crois qu'on peut. Mais je vous le conseille pas forcément quoi. Ah, peut-être pas en fait, je sais pas. Je ne sais pas, merde. Allez, ça t'apprendra à essayer de me doubler. Ah oui, d'ailleurs, faut que je tente un truc. Faut que je tente un truc. Alors pour ça, faut pas que je tombe, hein, dans un premier temps. Mais regardez. Ici. Ah merde, c'était pas ici, merde, j'ai fait la merde. Le but c'était en fait de, à l'endroit où ça ressortait, de sauter et de faire une figure sur le saut. Enfin, je vais essayer de faire ça sur le dernier tour. Je vous promets rien, mais j'ai essayé. Ah, oh putain, j'ai failli l'utiliser.
J'ai failli l'utiliser pensant que ça allait être une banane ou un truc comme ça, et genre le garder dans mon dos, mais ça tu le gardes pas dans ton dos. Bon, bah voilà. Utiliser pour une rouge, j'aurais préféré une bleue, mais bon. Ah, attention. Ah non, c'est pas tout de suite. Attendez, attendez, attendez. Je vais essayer de faire le move. Je voulais la banane, le... Ouais, bon, le jeu m'a donné ma banane. Je voulais ma carapace, mon champi. Je vais y arriver. Alors regardez, le but c'est de faire tac. Ouais, d'accord. Ok, je pense qu'on peut le faire assez facilement. J'ai eu chaud au cul. Je pense qu'on peut le faire facilement, mais qu'il faut... Ah oui, j'étais pas arrivé premier à la première. D'accord. Oui, c'est vrai. Du coup, je disais... Ah oui, je pense qu'on peut le faire, mais qu'il faut faire la figure, sinon ça marche pas. Enfin, c'est facile à faire, mais il me semblait que c'était un truc de ouf ce que j'avais fait et tout. Et je sais pas. Ah, celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien. Par contre, il y a des dérapages que j'ai un peu du mal, donc en 200 CC, je sais pas ce que ça va donner. Et je me demande si cette courge-là, je l'avais pas déjà faite. En 200 CC, je sais pas. Ah non, 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 je pense pas. Je trouve ça. Peut-être que la course, j'ai déjà fait en 200 CC, genre en mode. Course comme ça. Ah, quoique, bah non, je sais pas. Je sais plus. Parce que. En fait, la course de glace, je crois pas que j'avais déjà fait en 200 CC. Hein. Elle me dit rien. Ah! C'est dur. Hop. Oh là là, hey, je vais sortir de la map bientôt. Alors là, ce dérapage. Ouais, j'ai vrai, non. J'y crois moyen. En 200 CC, je vais beaucoup trop vite. Ah, j'aimerais bien essayer de d'avoir un peu plus d'avance. Le plus d'avance possible serait très appréciable. Ok, il y a une roue, génial. Ah, est-ce que la plante l'aurait pas bouffé par hasard? Je crois que c'est ça. Non, si je pouvais avoir genre masse avance, ça serait parfait. Comme ça, si je me prends une bleue, c'est pas trop gênant. Voilà, je vais encore partir dans le plafond. Bonjour. Et bah tiens, on va essayer de faire ça. Hop. Ouais, ok, je perds plus de temps. Ok, et Toadette est beaucoup trop proche. Je vais arrêter de faire ce genre de conneries. Parce que voilà, elle me double, hein. Logique. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû essayer de garder mon avance au lieu de faire le con. Ok, tu te prends la rouge que tu m'as envoyée, ça t'apprendra. Non! Ouf! J'ai mangé la plante! Concentre-toi. Ah non, mais déjà on peut tomber ici? Je sais même pas. Non, dégage avec ta carapace à la con là. Ah, te mange pas le plafond. Hop hop hop, allez, on se rapproche de la fin. Fais pas le con. Pas la verte, pas la verte. Oh putain. J'ai voulu esquiver la verte, mais si je tombais dans le vide, ça servait à rien. Ok. Premier. J'aimerais bien finir premier pour la dernière, ça serait cool. Qui est, je ne sais plus quelle course c'est. Volcan Grondant, un truc comme ça, non? Je sais plus. Un truc de brosure. Peut-être un truc avec de la lave, je crois. Pas du tout. Vallée Yoshi. Ah oui, alors là. Oh, ce circuit, je l'ai fait deux fois tout péter. Je me souviens plus du tout par où faut passer pour être optimisé. Pour avoir un circuit optimisé. On va tenter le canon. Parce que c'est le chemin qui me paraît le plus simple. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Hein. Je vous avoue que je passe par là, mais à mon avis. C'est pas ce qu'il faut faire, hein. Ah, clairement pas, non, clairement pas. Clairement pas. Je sais pas du tout par où c'est le mieux de passer. Genre là, eh, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de cut ici. Ouais, bon, il y a un truc à faire, mais avec un champi, je pense. Ah d'accord, je fais de la merde. Oui, vous pouvez le dire. Je fais de la grosse merde. Ah! Eh, le jeu. Putain, mais sérieux. Pardon, j'ai dit que j'arrêtais d'être vulgaire. Enfin, que j'essayais en tout cas. Restons polis. Toi, tu vas me filer un petit boost. Enfin, tu vas surtout m'envoyer une verge, je le sens. Alors, on va essayer de passer à gauche. Voilà. Ouais, ok, alors. Ouais, ok, je pense que ce chemin-là, il est pas mal. Après, voilà. Après, c'est peut-être pas le plus optimisé. Il y a deux étoiles derrière moi et mon nez me gratte. Attendez une seconde. C'est très agréable. Hop. Ah, ah c'est dur. C'est très dur. Ok. Si je touche pas, c'est pas grave, mais j'aimerais éviter de me la reprendre derrière. Elle est passée où? Où est passée ma banane? Vas-y, on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. On est dans les premiers. Ah merde!
Il avait une rouge dans son dos, je l'avais pas vu! Enfin, si, je l'ai vu, mais au dernier moment. La musique qui met la pression, je vois plus rien. Une étoile juste devant moi, j'aimerais éviter de m'apprendre. Ah, y a plus d'étoile. Je suis deuxième là? Oh! J'ai esquivé une banane sans l'avoir vu! Enfin, genre, je l'ai vu au dernier moment, et voilà! Oh là là! Oh, cette esquive de banane! C'est improbable! Il va m'arriver un truc horrible, je le sens. Oh non, putain, je fais de la merde. Ça fait deux fois que je fais la même connerie, quoi. Oh, nice. Bon, est-ce que ça serait pas le... Oh là là, c'était très mal parti. Avec le circuit que j'ai pris, là, enfin, en passant par le canon. Mais finalement... Finalement, on est arrivé premier. Je suis fort content. Bon, il n'y a que la première que j'ai foirée, mais je pense avoir deux petites étoiles, peut-être. Une ou deux. Ce serait plutôt pas mal. S'il vous plaît. Alors. Oui, on s'en fout. Deux étoiles, voilà. Voilà, je suis heureux. J'aurais préféré trois, hein, forcément, mais bon, enfin, je suis content. On a quand même eu deux étoiles. C'est pas plus mal. Du coup, il nous reste trois circuits à faire, si je dis pas de conneries. Alors ouais, par contre, le véhicule, on va retourner sur un truc plus facile à gérer, hein, parce que j'y arrivais pas trop. Ok, donc du coup, il nous reste ces trois coupes là, et celle-là, on va en... Ah non, non, ça va. Celle-là, ça va aller. Ah mais on l'a déjà fait la course arc-en-ciel, non? Ah non, elle est là. Celle que je redoute. Parce que celle-là, elle est assez simple. Je la trouve assez simple, cette route arc-en-ciel, mais celle-là. Oh, celle-là, je la hais, je la déteste. Et forcément, elle est dans mon Grand Prix préféré. Parce que dans le Grand Prix, il y a la coupe Hyrule, voilà. Il y a le circuit Hyrule, c'est un de mes circuits préférés, comme je vous le disais. Il est très simplet, mais j'aime beaucoup. Enfin bref, du coup, prochain épisode, la coupe éclair. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et donc, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!